coup, mes adhérents, comme je vous en avais parlé, je vais vous proposer des petits cours de gym, de yoga, de stretching, de renforcement musculaire, peut-être aussi un petit peu de zumba à domicile, puisqu'on n'a pas le choix, donc et qu'on a plutôt intérêt à respecter les consignes. Donc, ce que je vous propose là tout de suite dans cette petite vidéo, ça va être d'apprendre la respiration yogique. Donc, c'est une respiration en fait qui va permettre un petit peu de se recentrer à l'intérieur de soi, de faire abstraction du monde extérieur. Ça peut être utile en ce moment. Et voilà, et de faire un petit peu le vide et de chasser aussi les angoisses, hein, voilà. Si vous êtes un petit peu sujet aux angoisses, c'est un petit peu mon cas, je dois vous dire. Donc voilà, je vais essayer moi aussi de pratiquer avec vous. Et j'espère que ça vous sera utile aussi. Donc là, vous allez vous asseoir les jambes croisées ou différemment si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise dans votre canapé. L'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise. Par contre, on va essayer quand même de redresser son dos, de garder ses épaules basses, de bien dégager la tête. Fermez les yeux. On va respirer donc uniquement par le nez. Donc vous allez prendre des longues inspirations et des longues expirations. Vous allez essayer d'équilibrer le temps de votre inspiration et le temps de votre expiration. Donc vous comptez dans votre tête 5 temps sur l'inspire, 5 temps sur l'expire. Au moment de l'inspiration, vous allez imaginer comme une vague qui part du bas du ventre, qui remonte doucement dans la poitrine jusque dans la gorge. Et au moment de l'expiration, vous allez venir aspirer un petit peu votre nombril, engager votre périnée, vos abdos, donc contracter un petit peu comme si vous vouliez resserrer les côtes. Sur l'inspire, donc vous relâchez un petit peu, vous sentez cette vague qui remonte doucement. Sur l'expire, vous aspirez votre nombril, vous contractez un petit peu, vous resserrez un petit peu vos côtes. Restez concentré uniquement sur votre respiration. Essayez d'expirer toutes les idées négatives, tout le négatif, toutes les petites douleurs que vous pouvez avoir. Et inspirez de l'air pur, de la joie. Vous pouvez continuer cette respiration quelques minutes jusqu'à ce que vous vous sentiez détendu. Voilà, je vous proposerai aussi des petits cours de yoga, donc dans lesquels il faudra toujours appliquer cette respiration avec des mouvements par-dessus, ça sera un peu plus complet. Mais déjà, si vous arrivez vraiment à vous concentrer sur cette respiration et à faire abstraction du reste, vous allez chasser vos angoisses. Ça peut être utile. Et c'est mieux que d'avoir recours à des médicaments quelconques. Et ça marche tout aussi bien. Voilà.
prenez soin de vous, restez isolé le maximum. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à se sortir de ça rapidement. Allez, à bientôt!